Coucou tout le monde, donc me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire le avant-après des toilettes. Donc vous allez voir, il y a quand même pas mal de changements. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner puisque je ferai pièce par pièce. À chaque fois qu'une pièce sera refaite, je ferai une vidéo avant-après. Donc voici les toilettes avant les travaux. Et voilà l'après, donc après rénovation, après déco, etc. Donc j'ai cherché des idées déco un peu partout sur Pinterest, Google, etc. C'est vrai qu'on trouve pas grand chose, donc c'est pour ça que j'avais envie de faire une petite vidéo spéciale pour la décoration d'une petite pièce, pardon, comme les toilettes. Chose très importante, attention. Mais voilà, c'est vraiment décoré très très simplement en fin de compte. Pas de grande déco, mais voilà, j'avais quand même envie de vous montrer l'avant-après. Donc au niveau du sol, c'est une continuité du salon et du couloir. Donc c'est un carrelage effet parquet qui vient de chez Leroy Merlin. Le toilette, c'est un de chez Obad. La brosse à toilette, c'est de chez Leroy Merlin. Et la poubelle aussi vient de chez Leroy Merlin. La faïence vient également de chez Leroy Merlin. Le petit pan rouleau de papier toilette vient aussi de Leroy Merlin. Ensuite, j'ai fait mettre une petite étagère en bois qui vient également de chez Leroy Merlin. Les petites boîtes posées au-dessus viennent de chez Casa. C'est les petites boîtes où j'ai rangé mes petits protèges hygiéniques. Voilà, comme ça c'est discret. Ensuite, vous avez une suspension qui vient de chez Jardiland, ainsi que le pot et la plante. Et le triangle du haut vient de chez Ikea. Ensuite, la lumière des toilettes vient de chez Leroy Merlin. Et pour terminer, le petit miroir que j'ai posé ici vient de chez Zodio. Donc voilà pour le avant-après des toilettes. Comme vous pouvez voir, il y a eu beaucoup de changements au niveau de cette petite pièce. J'en suis très très contente en tout cas. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous a donné des petites idées sur les vidéos à venir, les avant-après. Il y en aura, je sais pas quand, puisqu'on va rénover toute la maison. Donc voilà, ça fait beaucoup de travail, mais il y en aura. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais de très très gros bisous. À bientôt.